festival de cerfs-volants géants, de cerfs-volants chimériques. Revenons-en aux cerfs-volants de combat. Parallèlement à cette production de masse, il existe aussi des artisans spécialisés dans la réalisation de cerfs-volants de combat haut de gamme. Waou fait partie de cette corporation et il fabrique chaque jour près de 125 cerfs-volants. Il réalise des modèles de premier choix spécialement réservés à une clientèle d'initiés. Akkad fait confiance à Waou car il sait que son habileté conjuguée à son savoir-faire produisent des appareils irréprochables d'une maniabilité extrême. Petit à petit, en le regardant procéder, nous nous rendons compte que l'assemblage d'un cerf-volant n'a rien d'un jeu d'enfant. Dans les faubourgs de Bandung, où va nous conduire Akkad, le cerf-volant de combat passionne avant tout les adultes. Le plus souvent, c'est-à-dire à chaque fois que le temps le permet, de petits groupes d'hommes se forment dans des endroits secrets. L'emplacement de leurs joutes aériennes change souvent pour éviter que la police ne s'intéresse de trop près à leurs affaires. Dans ce cas précis, le cerf-volant a été assimilé à un jeu de hasard, puisque celui qui remporte un combat reçoit toujours quelques milliers de roupies de celui qui a été vaincu. Comment remporte-t-on un combat de cerf-volant? Rien ne serait possible sans la gelasan, la ficelle abrasive indonésienne. Sans gelasan, pas de combat. Sur la terrasse aménagée de sa maison, Pak Akkad et deux de ses fidèles acolytes nous expliquent comment il la fabrique. Une grande bobine de fil nylon vierge se déroule rapidement. Le fil passe par un anneau qui le dirige tout droit dans un pot de peinture. Il s'agit ensuite de récupérer cette ligne imbibée de peinture gluante, pressée très fort dans une feuille de papier pliée en deux, à l'intérieur de laquelle on a coincé un peu de poudre de verre pilé. Cette poudre va se mêler à la peinture humide et transformer un simple fil en redoutable gelasan coupante. Mais cette dernière doit être bien tendue. Un astucieux mécanisme la dirige à l'autre extrémité de la terrasse où une petite poulie la fait dévier et revenir au point de départ, le tout étant entraîné par un tambour, en fait quatre roues de vélo assemblées côte à côte. C'est là-dessus que le nylon fraîchement peinturluré et poudré va s'enrouler. Trois jours et trois nuits plus tard, il sera sec et prêt à l'emploi. Et maintenant, à l'attaque. Les derniers membres de la bande arrivent enfin, les combattants vont pouvoir commencer. Première étape, faire s'envoler son cerf-volant après s'être assuré de sa résistance au vent. Les combats impliquent toujours deux cerfs-volants. Ils se positionnent l'un à côté de l'autre à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Au sol, les adversaires ne ménagent pas leurs efforts, ne dirigent pas un cerf-volant de combat qui veut.
Piette a plus de 30 ans d'expérience et il pilote ses cerfs-volants à la perfection. Le but du jeu est de couper avec sa gélasane la ligne de son adversaire. Une fois que son cerf-volant est dans la bonne trajectoire, on sprint tout en ramenant le plus de fil possible. Le cerf-volant foncera alors à toute allure et avec un peu de chance, on parviendra à couper net le fil du concurrent. Observons. Ça y est, le combat vient d'être gagné. Il n'aura duré que quelques secondes. Pour nous qui restons au sol, tout ça dépasse l'entendement. Les cerfs-volants s'élèvent si haut dans les airs qu'on a du mal à les distinguer. Et puis tout va si vite. Drôle de passe-temps, non ? Quelques jours plus tard, nous arrivons à Bali. Premier jour du festival. La totalité des hommes des Banjar est arrivée et ils s'inquiètent de savoir si le temps très menaçant risque de compromettre la fête. La cérémonie d'ouverture est là pour les apaiser. Le rythme entêtant des percussions du gamelan, les mouvements subtils des danseuses, toute cette harmonie ne peut que convaincre les dieux d'accorder une éclaircie pour les cerfs-volants. Toute la matinée est ponctuée par l'arrivée de convois de cerfs-volants géants. On les porte ensuite sur le terrain de football, près de Den Pasar, où va se dérouler le festival. Cette année, ce sont les cerfs-volants les plus simples, les Pechukan, qui participeront les premiers. Finalement, le temps s'est amélioré et les envols se font dans une ambiance radieuse. Le vent reste insuffisant, alors nous assistons vite au premier crash. Le public et les banjars adverses adorent. Puis c'est au tour des cerfs-volants bébé-ânes d'entrer en piste. Ils doivent onduler dans le ciel comme le ferait un poisson. Bébé âne peut d'ailleurs être traduit par « comme un poisson ». Mais avant de les voir voler, ou d'aller plus avant, petite précision. Chaque cerf-volant, quel qu'il soit, doit aussi passer sous les yeux experts de plusieurs juges. Malgré leurs airs rigolards, ils prennent leur rôle très au sérieux. Tout est noté. La qualité des armatures et des voilures, la compétence du groupe de gamelan qui accompagnera ses déplacements,
Le bruit produit par ces arcs sonores, rien ne leur échappe. Mais rares sont les banjars qui viennent ici pour remporter le prix du meilleur cerf-volant. Ce qui prime avant tout, c'est le bonheur partagé au sein du groupe. Et les hommes que nous avions rencontrés quelques jours plus tôt lors de la construction de leur bébé âne nous en persuadent. Contrairement aux combattants de Java, ici on évite à tout prix de gêner les cerfs-volants des autres. Aujourd'hui, trois bébés ânes s'en mêlent et se percutent bien malgré eux. Et tout va être fait pour leur rendre leur liberté. Mission accomplie. Les équipes sont soulagées. Quant à Pak Nyoman, il commente les événements avec adoration du haut de son mirador. Et le public est grisé. Merveille supplémentaire, l'arrivée des Jangan, les cerfs-volants dragons. Hormis leur indéniable beauté, leurs dimensions sont stupéfiantes. Leur traîne mesure souvent plus de 100 mètres de long. La tête des Jangan est sublime, jamais la même d'un cerf-volant à l'autre. Sur tout son corps, on a disposé des offrandes typiquement balinaises, pour lui souhaiter un bon vol, mais aussi pour honorer les dieux. Nah, ni kau sampun. Ah, lemah dah mereka cuma. Aduh. Nah, tu.
Avec si peu de vent cette année, on pensait que les Jangan ne pourraient jamais quitter le sol. On les imaginait tous bien trop volumineux. Presque miraculeusement, tous passeront plusieurs minutes au firmament. Malgré les efforts à fournir, malgré un soleil de plomb et la poussière du terrain que l'on respire à plein poumon, personne ne semble être fatigué. Peut-être parce que tous guettent l'arrivée des Créaci Barou, les nouvelles créations volantes. Il suffit d'avoir une idée, n'importe laquelle, et les créateurs fous balinés vous la feront voler. Tout est envisageable, et on admire même parfois des divinités hindoues. Ici, Saraswati, la déesse de l'éducation et du savoir, prête à s'envoler. Comment résister à une telle poésie? Le festival se termine, mais son souvenir planera toujours dans l'esprit de ceux qui y ont participé. Pour preuve, l'engouement sans faille des petits balinés pour les répliques en plastique des cerfs-volants géants de leurs aînés. Quelle que soit la saison, ils s'amusent tout en nous assurant qu'en fait, ils s'exercent pour plus tard, quand ils seront en âge d'aller au festival. Certains commerçants, judicieusement placés le long des routes secondaires de Bali, ont d'ailleurs diversifié leurs activités et fabriquent depuis peu des cerfs-volants rudimentaires mais gracieux. Les parents viennent en acheter à leurs enfants après leur journée de travail. Et aussi, le cerf-volant s'associe à la mère. Comme toujours, Nyoman était là en avance pour préparer le stand de l'Indonésie. Il rencontre pour la première fois Akiyat, qui arrive tout juste de Java. Akiyat est venu participer au premier tournoi international de cerf-volant de combat, tandis que Nyoman, lui, se charge juste de représenter Bali avec ses cerfs-volants et sa bonne humeur. Pockets of light, springing up in different parts of the world, invisible planets on this planet.
planet, on this planet, the white planet, on this planet, the culture planet, on this planet, the white planet, on this planet, the culture planet, on this planet, the white planet, on this planet, the culture planet, on this planet, the white planet, on this planet, the culture, space journeys to these different planets. Refuel. Refuel and come back. Refuel and come back. Parmi les 54 nations invitées au festival de Dieppe, la tente de l'Indonésie remporte un franc succès. Pak Nyoman est ravi de signer quelques autographes pour les petits écoliers normands. Akiyat est par contre beaucoup moins détendu. Tout en se protégeant les avant-bras et les doigts pour ne pas se couper avec la guélazane, il appréhende les dernières manches de la Coupe du Monde de cerf-volant de combat. Dernière préparation de rigueur. Il teste la force du vent pour choisir le cerf-volant qui sera le plus adapté à la compétition. C'est parti. La micro-société des cervolistes de combat est au complet. Yeah. Frank, you're in the pool. Hemant. Yeah. From India. That's a done for. Yeah. On this planet. Planet. On this planet. We need to preserve the white. Demi-finale, Akiyat affronte les représentants de Hong Kong. On this planet. The white planet. On this planet. The culture. This planet, the white planet, on this planet, the culture planet, on this planet, the white planet, on this planet, the culture planet, on this planet, the white. Akiyat la remporte. The culture. Dernier concurrent, Alam Lim de Singapour. C'est la finale. Le petit public d'initiés suit sans mal le combat des cerfs-volants devenus minuscules dans le ciel. Regardez bien le cerf-volant blanc d'Akiyat. Il vient de couper la ligne du Singapourien. C'est gagné! Pak Akiyat devient le champion du monde de cerf-volant de combat. Une vie consacrée à sa passion enfin récompensée. Voilà, bravo à lui.
festival de cerfs-volants qui se respecte se termine toujours par une grande fête d'adieu. C'est un milieu international, apolitique et plein de gaieté. Akiat et sa femme Aifong, qui n'avaient jamais quitté l'Indonésie, n'en reviennent pas. Trêve de timidité, cette soirée sera libératrice pour eux. Et avant de rentrer, dernière promenade en amoureux à Paris et souvenir mémorable d'un des plus beaux moments de leur vie. Longue vie au cerf-volant.